Thank you.
Malgré les épreuves dans ma vie, Gaina yebina kolonga. Malgré les situations difficiles, Gaina yebina kolonga. Oh matane kulusu, natina olongelanga. Oh kitina lise kwa Yesu, Gayo yo na banga nini. Yaya nanga Yesu, malgré les épreuves dans ma vie, Gaina yebina kolonga. Malgré les situations difficiles, Gaina yebina kolonga. Oh matane kulusu, natina olongelanga. Oh kitina lise kwa Yesu, Gayoyo na banga nini. Yaya nanga yeye, yaya nanga Yesu. Na ekuke ya motema nangai, yaya nandimi yo ovanda. Gengi selanga ipole na yo, Gaina lingi na mona nkembo. Na ekuke ya motema nangai, yaya nandimi yo ovanda. Gengi selanga ipole na yo, Gaina lingi na mona nkembo na yo. Yaya fongolelanga lola yaya. Gaina lingi na mona nkembo na yo. Yaya fongolelanga lola yaya. Yaya maningisa ya lola efungwama. Gaina lingi na mona nkembo na yo. Makila yo sopane kulusu, solo epesanga bomoi. Na moni tengu ya nini, oye kosimbanga na sena moyi. Na moni te solo kanini, oye kokanganga na sena moyi. Nandimi te, oyo simbi nani ya kosimba. Nandimi te, oyo pamboli nani ya komodi. Na moni te nzambe na ngai, oyo domboli nani ya kokitisanga. Nandimi solo Yesue, oyo kangoli azwi ne bosomi Jésus. Nandimi solo Yesue, oye kufa ki ezwi nde lise kwa na yo. Papa na nga ye 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 ye. Yo nde lise kwa na nga. Papa na nga ye 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 ye. Yo nde solisyon na nga. Papa na nga ye 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 ye. Yo nde bikambo na nga. Papa na nga ye. Kwa ya Lazalo, yo
Yozala ki miso ya Bartime, Yozala ki makasi ya Samsona, Yangonga ina banga nini, Yangonga ina lenga nini. Yaya fongole langa lola yaya Yaya maningisa ya lola efungwama Ngaina lingi na mona kembo na yo Makila yo sopa ne kulusu Solo epesanga bomo Na moni tengu ya nini Oye kosimbanga na sena moyi Na moni te solo ka nini Oye kokanganga na sena moyi Nani mite Oyo simbi nani ya kosimba Nani mite Oyo pamboli nani ya komodi Na moni te nzambe nangai Oyo tomboli nani ya kokiti sanga Nani misolo yesue Oyo kangoli azwine bosomi jesu Nani misolo yesue Oye kufa ki ezwine lise kwa na yo Papa nanga ye 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 Kwaya Lazalo Yozala ki miso ya Bartime Yozala ki makasi ya Samson Yangonga ina banga nini De Après coup falandi la cima. Banda ko puto puto banda deja ko alinya ngo Thank you.
Thank you.
Tous ceux-là qui sont debout, parce que les programmes officiels devraient se passer à l'enceinte de l'Assemblée provinciale. Mais les autorités nous ont donné un petit changement. Donc, c'est ces excuses. La police, nous voulons prendre le corps du Corbière. Thank you.
deux personnes pour les témoignages. Que je pouvais prêcher. Mais tu dis dans ta parole, à toute occasion, favorable ou non favorable, prêche la parole. Voilà la mission que tu m'as confiée. Parce que tu m'as élu depuis le ventre de ma mère comme missionnaire. C'est ce que je fais. Seigneur, nous venons de parler pour que chacun de nous puisse comprendre qu'il y a des imprévus dans la vie. Si les mamans partent au marché, mais il met quelque part un plus pour voir si je n'aurais pas acheté ce que j'avais prévu, je peux récupérer dans ces comptes-là. Oui, la vie aussi est soumise devant cet imprévu-là. Qui pouvait s'attendre qu'en ces jours, nous pouvions plaire maman Malonda? Pour nous, c'était un imprévu, on ne s'y attendait pas. Mais Dieu étant souverain, nous te disons merci. Parce que tu dis dans ta parole, à toutes circonstances, que nous rendons grâce à toi. Père, voilà ton peuple qui vient d'écouter cette parole. Tu as préparé, Seigneur, leur cœur. Laisse que cette parole puisse percer le cœur de tout un chacun de nous. Et que chacun de nous puisse prendre une décision s'il n'a pas encore abandonné sa vie à Jésus. Que Jésus soit son Seigneur et Sauveur. Qu'il accepte maintenant et que Jésus règne dans sa vie. Afin que les ténèbres ne règnent plus, que la lumière que Jésus puisse régner dans la vie de tout un chacun de nous. Merci Père pour toute la cérémonie que nous recommandons à toi. Pour toute personne qui prendra la parole. Le Dieu de protection c'est toi. Parce que tu es là Seigneur pour nous couvrir sous tes ailes puissantes et par ton nom, par ton sang puissant. Père, sois glorifié, sois exalté pour tout ce que tu as fait dans cette à dire. Quelles sont les barrières? Quelles sont les oppositions que nous avons pour dire non? Mais Père, tu as décidé et que cela est accompli. Voilà pourquoi nous te disons merci en tout. Sois glorifié, sois exalté dans le nom de Jésus-Christ, que notre Seigneur et Sauveur, nous avons ainsi prié et tous nous disons Amen. Honorable Malonda que nous plairons ici, est né à Kinshasa un certain 27 octobre 1962. Fille de M. Nimi Ndunda, décédé, et de Mme Bondo Makoso. Originaire du village Konde di Nzobe, secteur Nzobeluzi, territoire Tchela, ex-district Bafleve, province du Congo central. Marié à M. Lubela Mbumba Tristan Aloïs. Honorable Malonda Nimi. Avait 7 enfants, dont mère de 7 enfants biologiques, dont un garçon, et 12 enfants adoptifs. Mais c'est Nimi Mbumba, qui fut son papa, a donné 11 enfants, dont l'honorable Malonda Nimi était la cinquième fille de cette progéniture. Concernant les études faites, l'honorable Malonda Nimi a fait ses études faites à l'école primaire Bobo Koli à Kinshasa. École secondaire à ITC Ngaliema, toujours à Kinshasa. Détentrice d'un diplôme de licence de l'Université du Sipromac à Matadi, en sciences économiques, option management. Cofondatrice de l'Union nationale des femmes congolaises pour le développement, INAFECOD en cycle, depuis 2003. Elle s'occupait aussi des orphelins, de veuves, des vieillards et des enfants défavorisés. L'honorable Malonda Nimi était député national de 2000 à 2003. Elle est devenue députée provinciale de 2019 jusqu'à ce jour, c'est-à-dire jusqu'au 1er février 2021, date à laquelle elle nous a quittés. Elle était fondatrice de l'association Providence Malonda Nimi, APMV, en 2020, c'est-à-dire l'année passée. La personne que nous plairons ici a vécu 58 ans sur cette terre des hommes. C'était la biographie de notre député, de notre maman, de notre tante. Beaucoup pour la parole.
Je sais que la présence de tout un chacun ici, c'est juste pour manifester la douleur de tout ce que nous avons comme acte de souvenir de la part de Maman Malonda. Et si on essayait de donner l'opportunité à tout celui, à toute personne qui pouvait bien témoigner, on risque de quitter ici très tard. Mais je sais que je pourrais que témoigner pour moi seul pendant que nous avons été les perdants des actes de Maman Malonda, ensemble avec les amis, les collègues députés en particulier. Vous savez que je ne pouvais pas rester silencieux par rapport à l'acte que Maman Valérie avait posé pour moi. Le 26 juillet, ça a toujours été le jour de mon anniversaire. Pendant que moi je n'étais pas à Matadi, j'étais à Boma, Maman Valérie m'a souhaité joyeux anniversaire. Il y a Honorable Albert pour notre anniversaire. J'ai dit, Maman, ça c'est quelle surprise. Il a dit, je t'aime beaucoup Albert. J'ai dit, merci Maman, de te bénisse. À partir de là, j'ai pris le gâteau et je pense que c'était la première fois parce que je n'ai pas fêté. Mais j'étais là avec mon gâteau, j'ai partagé avec quelques députés qui étaient là. Et c'était de la maison. Nous avons mangé. J'ai dit, Seigneur, bénis la maman. Personne n'ignore que si c'était autant de pierres, vous savez ce qui s'était passé pour Dorcas, qu'on n'a pas pu enterrer ce jour-là à cause des souvenirs. Nous en avons tant, mais je ne pourrais dire que la disparition brutale du Maman Malonda, ça nous fait très mal, non seulement à ceux de Matadi en général, mais plus chez nous au Parlement. C'est pourquoi je pourrais dire que Dieu soit béni et que Dieu soit loué. Honorable député et sénateur, Excellence Monsieur le vice-gouverneur de la province du Congo central, honorables députés provinciaux et chers collègues, Excellence Monsieur le ministre provincial, le Conseil de sécurité, distingués membres de la famille, mesdames et messieurs, à vos titres et qualités respectifs, ma pensée particulière va à son Excellence Monsieur le maire. Je sais comment Monsieur le maire était très lié avec sa femme. C'est avec un cœur plein d'amertume que je me tiens devant vous pour prononcer ce mot. Les sanglots longs de l'automne blessent une fois de plus nos cœurs, d'une langueur monotone, a écrit le poète Lamartine. Le 1er février 2021, l'histoire au rendez-vous d'une vaillante combattante tombe l'arme à la main, la lutte en plein essor. Maman Valérie Malonda Nimi nous a quittés. Quel choc pour moi qu'il ait eu 5 jours avant pour me dire exactement ce que son mari souffrait et ce qu'elle-même ne se sentait pas bien. Son corps l'a lâché. Son esprit va à jamais incarner notre lutte et notre détermination à accomplir ce à quoi il a cru. En ce moment où nos plaies sont encore béantes à cause du décès de notre très cher collègue, l'honorable André Massoumbaya, sans omettre ceux de nous autres collègues qui l'ont précédé, à savoir interpelle chacun de nous afin qu'il se pose cette question. Le jour de mon départ, qu'est-ce que les hommes diront de moi? Quelles sont les traces que j'aurai laissées après moi? Ne pas lire aujourd'hui, l'honorable Valérie nous quitte, laissant derrière elle le pouvoir, les biens, les titres académiques, la famille et que sais-je encore. Tout ce qu'elle détenait ne lui a pas aidé à échapper à cette dure épreuve. Vanité de vanité, dit l'Ecclésiaste. Vanité de vanité, tout est vanité. Je vous prie, mes chers frères, mes chères sœurs, unissons-nous et travaillons pour notre bien-être et celui de notre province.
Honorable président, honorable député national, honorable membre du bureau, honorable député provincial, monsieur le membre du gouvernement provincial, monsieur le membre du comité provincial de sécurité, distinguées familles éprouvées, Excellence Monsieur le ministre du Budget, le Béla Tristan Loïs, frères et sœurs. C'est très difficile de parler en pareille circonstance quand on a vécu avec quelqu'un et avec qui on a développé certaines affinités. Le président venait de parler tout à l'heure. Les gens d'entretien qu'il avait avec Maman Malone. Affectueusement, j'ai eu le temps de la surnommer Eva Lavala. Souvent, quand elle venait à la maison avec son mari, je l'appelais toujours Eva Lavala. Elle s'est bousculée. Elle savait bouger. Elle savait retirer quelque chose quand elle en avait besoin. C'était une battante. Je me souviens une fois, on devait aller en mission à Lubumbashi avec son mari, mon ministre du budget. J'avais dit à Maman Lola, Yoko Tikala, Okinite, Balnogeneimo. C'est moi son chef. Il avait réagi comme elle avait réagi aussi à l'endroit de l'honorable président. C'était direct. Excellence, ceux qui ont foutu la billet, ils ont foutu bien. Mon mari ne peut pas voyager seul. Je suis toujours avec lui, qu'il vente, qu'il neige. Ça, ce sont ses propos. Et puis on arrive. C'était une façon de s'amuser qu'on avait développé avec elle. Et je me rappelle une fois à la maison, il était avec son mari. Je l'avais encore taquiné. Yo, tu as un peu de temps, tu as un peu partout. Bon, bah, il y a. Donc, elle était très attachée à son mari. Maman Londa, on pourrait dire beaucoup de choses d'elle. Beaucoup, beaucoup. Mais comme le temps est vraiment, nous est vraiment imparti, le deuxième petit témoignage que je peux faire d'elle, président de l'Assemblée, qui est la première dame, et puis elle s'est rappelée. La dame avec qui nous étions au stade, la prune, ah, c'est elle qui a décidé en haut. Il avait beaucoup regretté, tout en nous présentant de condoléances. C'est pour simplement dire qu'elle a su jouer les rôles d'une élue de la population. C'est vraiment une perte pour notre Assemblée provinciale, une perte d'une personne de valeur qui avait un gabarit important dans son comportement. C'est rare d'avoir des femmes, ça trempe, c'est très rare. C'était vraiment une perle pour nous en province. Et ces souvenirs ne nous quitteront pas de sitôt. Je me rappelle encore, si je peux faire un petit dernier témoignage, quand on devait nommer mon premier gouvernement, le courage avec lequel elle avait défendu la candidature de son mari. Au point que nous devions régler tous les angles, arrondir tous les angles pour que cette candidature soit acceptée par tous. C'est ce qui fut fait. Elle savait négocier. Et avant qu'ils n'aillent à Kinshasa, tous les deux, le ministre Lubela et elle, ils s'étaient passés à la résidence, on s'est vus, on s'est parlé. Et elle m'avait dit, excellent, moi j'ai pas, je dois voir mon ophtalmologue. Donc c'est ce qu'elle m'avait donné comme motif de son voyage à Kinshasa. Et je vais accompagner papa qui doit avoir son médecin à Kinshasa.
jour où on nous a annoncé sa mort, c'était, je sais pas comment dire, incroyable, indescriptible, inimaginable, je sais pas. Et après, il fallait vérifier, et nous sommes arrivés à l'évidence que c'était vrai. Chacun de nous sait là où il était, qu'est-ce qu'il a développé comme sentiment. Mais nous devons, au-delà des soucis, au-delà de la douleur, au-delà de la pitié, nous devons reconnaître que nous avons connu, nous avons, la province a connu ou a donné naissance à une fille de valeur, une fille compétente qui a su marquer son nom en lettres d'or à l'histoire de la province. Et maman Eva Lavala est l'une de ses rares filles. Voilà pourquoi nous avons décidé avec le président de l'Assemblée de pouvoir lui offrir des obsèques dignes. Malgré la période, vous savez, nous sommes dans une période très très critique où la pandémie du coronavirus est en train de sévir. Nous sommes astreints à des instructions fermes édictées par les autorités nationales. C'est pour cela que nous ne sommes pas passés par la résidence. Nous avons annulé l'étape de l'Assemblée pour nous recueillir ici au lieu de son dernier repos. Il y en a peut-être qui pourront interpréter ça mal, mais sachez qu'il y a des instructions que la hiérarchie, que le chef de l'État a édictées, et nous sommes les premiers à les faire respecter et à les respecter. Donc c'était le sens de notre passage directement ici. Que ceux qui avaient des appréhensions pas bonnes par rapport à ça puissent comprendre cela dans ce sens-là. Je me tournerai du côté des députés provinciaux pour les encourager, parce qu'ils viennent de perdre une fleur de cette institution qui était très forte, très battante. Je pense que son exemple, son comportement, ce qu'il faisait de bien, va rester une référence. Merci de m'accorder la parole. J'ai lu les dernières qu'aujourd'hui vous puissiez me voir vivant, parce que j'ai souffert pratiquement pendant 2 mois. J'ai souffert ici à Matadi, mais j'allais au bureau et je me faisais soigner à la maison. Quand j'ai vu les complications de respiration, je suis parti à Kinshasa. À l'occasion, je vais vous dire, je n'ai pas honte de vous dire que j'ai souffert du COVID-19. Ceux qui doutent encore, je suis le témoin vivant. Le coronavirus existe. Prenez vos mesures barrières, s'il vous plaît. Je remercie Dieu parce que jusqu'à mercredi passé, le jour où je suis allé en contrôle médical, je ne marchais pas. J'étais sur une chaise roulante. J'ai prié pour que la cérémonie d'aujourd'hui, que je puisse marcher moi-même. J'ai marché, et surtout aujourd'hui, vous m'avez vu. Avant que je lise mon mot, j'ai un petit détail à vous donner. Je remercie les autorités nationales et provinciales qui ont pris toutes ces mesures pour protéger la population. Ils ont bien fait pour le bonheur de la population. Toutefois, je dois préciser, maman Malonda n'est pas morte de coronavirus. Elle était forte
depuis ma maladie jusqu'à tous les séjours paix. Maman n'avait pas le corona. À ma taille, on a testé. En Galère, on a testé. Des fois, derrière, j'avais envoyé, j'avais demandé qu'on teste même tous les enfants. Parce que quand ils ont appris que j'allais mourir, tous les enfants sont montés à Kinshasa. J'ai demandé qu'on teste tout le monde. Maman n'avait pas le COVID-19. Qu'est-ce qui est arrivé? Un petit résumé. Maman était dans ma chambre comme garde malade. Et là, un jour avant qu'elle entre en crise, il y a un malade qui était à deux chambres de nous, qui a commencé à crier pratiquement de 23h jusqu'à 4h du matin. Il criait de toutes ses forces. Il a fait tous les bruits possibles. Les infirmières et les médecins ne se sont pas réveillés pour venir le secourir. Alors le matin, autour de 4h du matin, il a cessé de faire du bruit. Et à 5h, on a vu passer devant nous son corps. Maman Londa, quand elle a vu ça, elle qui aime les hommes, elle qui aime le bien de tous, elle a commencé à pleurer. Il disait, comment on peut avoir des infirmiers, des médecins qui ont un cœur dur? Quelqu'un est en train de pleurer toute la nuit, ils ne viennent pas le secourir. Elle en a fait son problème. Moi, je l'ai calmé. Mais après, quelques temps, une heure après, elle continuait à souffrir de ces problèmes-là. Elle a commencé à respirer profondément. Mes chers frères, Excellence, Monsieur le gouverneur de province, représentant personnel du chef de l'État, honorable président de l'Assemblée provinciale, honorable membre du PO, honorable député nationaux et provinciaux, distingués invités à vos titres et qualités respectifs, je ne lis pas un discours, mais je vais parler de ma femme. À nos fiançailles, je l'appelais Ange, puis j'ai changé. Anto, de son prénom, de son deuxième prénom, Valérie Antoinette. Les Matadiens de 2003 à 2021 l'ont appelé Maman Malonda et puis Maman Soucia. J'aimais cette femme parce qu'elle était très fidèle à moi. Je lui ai donné toute ma confiance, tous mes biens. J'écrivais son nom, l'argent. J'ai une femme qui ne vole pas et demande, je lui donne. Elle nous
refuse rien. Même si parfois j'ai boudé certaines choses, mais je lui donnais quand même, finalement. J'ai pris mon argent, j'ai donné à mon épouse pour soutenir ses ambitions politiques de 2003 à 2021. Moi, j'étais fonctionnaire de l'État, mais je faisais la promotion de ma femme. Elle a créé son association INAFECOD, Union nationale des femmes congolaises pour le développement. Aux élections 2006 et 2011, nous avons échoué ici à Matadi. Les élections 2015 préparées ont été annulées. Les élections 2018, cette fois-là, nous avons gagné. À ma femme Valérie, j'ai tout donné. Mes enfants sont là. Mes familles sont là devant vous. Ils sont polygames en général. Ils disent de moi, Akoma Zoba ya mwasi na ye. Non. J'ai aimé ma femme. Moi, pour moi, je lui ai offert le bonheur. Elle a mon plus de ses frères. Et chaque fois, je constatais, lorsque nous étions très unis, nous étions toujours bénis. Elle est morte. Comme quoi, la vie et la mort réside aux extrémités de notre bouche. Il faut faire attention dans ce que nous déclarons. Ma lord, une battante, une guerrière, une donne à Congo de la race de Kimpavi. Donna Malonda, comme l'appelait si affectueusement l'honorable président Jean-Claude Voël. Femme de caractère, de courage et de détermination. Fidèle dans ses engagements. Ferme dans ses convictions. Et dit tout haut ce que les autres pensent tout bas. Lorsque nous sommes engagés, moi et elle, pour soutenir son excellence à tout matouboual, et bien jusqu'à sa mort. C'est avec beaucoup de peine que je me tue devant votre cercueil. Pour ne pas seulement exprimer nos chagrins, nos souffrances qui sont les résultats de la disparition brusque, mais aussi pour te dire adieu. L'information de ta mort en date du 1er février 2021 nous était parvenue comme une foudre, mais nous ne comprenons toujours pas comment tu pouvais partir plus vite. Tu as laissé toute une problématique dans nos têtes à laquelle personne n'arrive à donner les réponses. Tu n'as souffert que pendant 3 jours. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est la question qui nous revient à tout moment. À l'hôpital où s'est trouvée notre maman, des fois nous disons que le moment est notre. Valérie va arriver, peine perdue. Et c'est comme cela que nous sommes mis en évidence que tu étais réellement parti.
ta mort, c'est comme un mirage. Il dit aussi de l'homme. Si un homme du vivant de sa femme, il prend une autre, il a commis l'adultère et ça coûte cher devant le Seigneur. Mais si sa femme venait à mourir, elle peut prendre une autre femme. Et tout cela, ça doit être dans le Seigneur. Et comme la Bible le dit, ce n'est pas nous qui devons le changer. Cet homme, notre frère, a de grandes responsabilités. Et à son âge, nous ne pouvons pas croire qu'il puisse rester comme ça toute sa vie. Il aura la liberté dans le Seigneur à prendre une autre femme, mais pourvu que ce soit dans le Seigneur. Et ce ne sont pas les enfants qui nous contrediront, la Bible. Ce n'est personne qui contredira la Bible. Par conséquent, c'est Dieu qui donne. Quand Dieu donne, et c'est Dieu qui retire. Voilà pourquoi nous allons, symboliquement retirer l'anneau du doigt de notre frère. C'est un anneau qui symbolisait les unions. Maintenant, il n'est plus lié à Valérie Malonda. Vous n'entendrez plus personne vous dire, elle est dans la chambre, elle est ici, elle est là-bas, et elle est toujours là. Non. C'est bibliquement que nous croyons ça. Quand quelqu'un est mort, c'est fini. La séparation est totale. Vous êtes libre et vous n'avez plus aucun lien avec lui. Qu'il en soit ainsi. Et nous allons prier Seigneur, notre Dieu, tous ensemble. Pendant ce temps, si les enfants sont là, juste les quelques-unes qui sont là, quelques-uns que je connais, ils s'approchent ici, nous allons prier pour eux. Toute l'église, toute l'assistance, prions pour eux. C'est lui que nous avons connu le couple de couple. L'une n'est plus, l'autre est au milieu de nous. Et les fruits de leur mariage, les enfants. Et celui qui est resté est encore Seigneur auprès de nous. Nous prions Seigneur notre Dieu que sa foi ne vacille pas. La foi des enfants ne vacille pas. Financière, la force à tous égards, notre Dieu. Merci d'être avec lui et avec ses enfants. Nous avons été touchés par ces mots en disant à ses enfants, je serai votre père et je serai votre mère. Ça ne sera pas facile, mais toi tu es le Dieu des pères, des orphelins, des maris de la veuve, dans les cas de la veuve, dans les cas du veuf, tu seras ensemble. Amen. Que le Seigneur notre Dieu soit béni. Je vous remercie. Kuna balinga te Thank you.
Après,
famille paternelle et maternelle, nous allons vous présenter son excellence, monsieur le ministre. Avec la présentation, ça va être la musique. C'est à nous tous, Seigneur notre Dieu, que cette prière est faite pour, en faveur de nous tous, que cette prière est montée vers toi. Aide-nous, Seigneur, s'il te plaît. Demain, nous serons appelés à disparaître. Ça ne sera pas notre avoir, ça ne sera pas notre titre, ça ne sera pas notre importance, ça ne sera pas notre rang social, ça ne sera pas notre origine, ça ne sera pas notre race, ça ne sera pas notre fonction, ça sera tout simplement le rendez-vous de tous les humains face à face avec toi. Avant que nous puissions connaître, répondre à ces rendez-vous, Seigneur, que chacun de nous se souvienne du Dieu vivant. Et le Dieu vivant, c'est Jésus, le sauveur de nos âmes. Sois avec la province, Seigneur, je t'en supplie. Prends cette foule à tous les niveaux. Prends notre province en charge. Prends notre Dieu. Prends, Seigneur, notre Dieu, tout ce que nous faisons ici. Nous voulons accompagner en paix jusqu'ici. Raccompagne-nous en paix jusqu'ici. Je le fais, go! Téléma,
Música.